J'ai pas peur. Cassez-vous. Il faut toujours 25 balles. Hein. Arrêtez de me chier des zombies dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quoi? Ça a sauté? Bah merde. Bah ça vient pas de chez moi. Moi c'est marqué que ça fait 1h03 que je suis en stream et... C'est pas chez moi que ça a sauté, c'est Twitch, hein. Parce que mon OBS, il a pas cut, hein. Bah merde. Mais viens à moi. Eva, c'est toi. Oh, tu m'as tellement manqué. Quoi? Mon pouvoir m'abandonne. Rose. Je vais t'en mettre plein la bouche. J'ai plus d'armes, je l'ai vendue. Ton corps n'est décidément pas normal. Rends-moi Rose. Tout de suite. Tu verras. Une fois que je t'aurai achevé, tout sera... Ethan, maintenant. Bim. Dans la bûche. J'ai consacré ma vie entière à la réalisation de ce moment. Et toi, tu essaies de me l'enlever. Je prendrai ce qui me revient. Ouais, tu vas prendre plein de balles. Tous mes désirs seront comblés. C'est à moi. Tu peux mettre des grosses basses. Et pareil dans ton micro, hein. Tu as rempli ta fonction, Ethan. Tu as anéanti mes pseudo-enfants et réveillé l'ordre mégaphysique. Oh, ne t'en fais pas, la petite Rose. Je te promets de la rendre vraiment très heureuse. Tu peux donc mourir. Mais je la connais, c'est Morgana. Ah putain, je regardais le chat, quel connard. Allez, viens. Bordel. Par contre, il se traîne le cul, José, là.
D'accord, je peux casser ça. C'est pas toi qui décides. Oh là là, le dieu des ténèbres, oh, j'ai très peur. Est-ce que je peux péter ça? Je peux. C'est plus que c'était le dieu des ténèbres. Hein. Ah merde, j'aurais dû me cacher derrière un arbre. Pourquoi ne meurs-tu pas? Oh, encore. Il est vrai que j'ai des balles de magnum, j'ai des mines, j'ai plein de trucs en vrai. Il y a moyen de faire péter. De faire tout péter. Quelques balles de magnum. Je vais aller mettre quelques balles dans la bûche. Ma petite Eva. Ma fille adorée. Tu as rempli ta fonction et ta goûteuse. Tu as anéanti mes pseudo-enfants et réveillé le glorieux Megamistat. Oh, ne t'en fais pas pour la petite. Je te promets de la rendre vraiment très heureuse. Tu peux donc mourir en paix. Ferme ta gueule, t'auras chaud dents. Comment peux-je m'en priver? Quand est-ce que tu vas te mettre dans le crâne, que rouge? Et ma fille? Et pas la tienne? J'avoue. J'ai pas la Ferrari. C'est pour ça. Le méga Mistat m'a sauvé du désespoir. Il m'a conféré ce pouvoir magnifique. Ouais, c'est ça. Ça t'a sûrement rendu sacré. Tu ne peux pas sauver Rose. Après tout, on finit tous par... De voir ce que je peux parer. Voilà, au cac. On va la pomper un peu, si vous me permettez l'expression. Gâcher des balles de pompe. On mêle les pinceaux dans mes armes. Subis la colère du dieu des ténèbres. Bien, je crois qu'il est temps pour toi de lâcher. Ouais. C'est toi qui décides. C'est pas la peine, faut pas que j'essaye de le casser. Après tout, on finit tous. Tourne voir. Voilà ça. Pourquoi est-ce que tu t'embêtes si proche de la mort? Yay!
Toute merde, je peux me faire qu'un seul jeu. Quelques balles de pompeux. C'est ma fille, bordel! Espèce de malade! Ouf. Ah ah, mais j'ai du jus! Et tant que j'ai du jus, j'ai de la vie! Je suis pas l'imbécile, hein! Et aïe! Ah, Chris, il a tiré une balle, il a fait son taf. Pour ma fille. Je ne laisserai personne contrecarrer mes plans. Elle encaisse en tout cas. Être toi le problème. Tu es incapable d'aimer. Ta vie s'achève ici et ta droiteur. Pour être sûr, je vais te dire. Alors j'avais plus de balles de fusil à pompe, le jeu il a triché. Hein. Ouais, ben les vases des rois dans le cululu. Hein. C'est une constante, je trouve, dans les jeux ces derniers temps, où les boss ils racontent toujours leur vie pendant les combats. Quand c'est doublé en français, ça me dérange pas trop. En anglais, ça va, mais en jap, c'est chiant. Parce que lire les sous-titres en jouant, c'est dur. Ah! Ici, je mettais des épluchures de zombies plein mon bébé. Ethan! Allez, Ethan. Allez, Ethan, lève-toi. Chris. Ethan. T'as réussi. Tu l'as eu. Je crois que... Mais aussi. Ethan. Il faut qu'on bouge. Nom 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 nom. Salut Kenshiro. Oh putain, ça doit être chelou. Et salut Lucas. Ah, Ethan. J'ai mis un explosif sur ce truc pour faire sauter tout le village. Regarde-moi. Il faut pas qu'on soit dans les parages quand j'appuierai. Bon sang. Il y a Mia qui t'attend. Elle est vivante, tu m'entends? Vivante. Allez, on va jouer au jeu du... Je récupère la bombe, tu t'en fies avec mon bébé? Je t'ai. Prends soin de Rose. Hé, hé! Hé! Tu lui diras toi-même. Allez, viens, on n'est plus très loin. Veille sur elle. Mais mets-toi un petit coup de jus, là! Adieu, Rosemary.
Non, Rosemary, Rose c'est cool, Rosemary c'est tout moche. Hein. Tonique, moi aussi je suis une mycose. Je suis un champignon, je me glisse sous vos ongles. Et... ouais, il s'est glissé sous ses ongles. Et... elle est horrible cette putain de pub. Allez, allez, on décolle, vite. Et là, en fait, le mec avec le masque, c'était Wesker. Chris, où est Ethan ? Eh ben, il était mort, il est remort. Dépêche-toi, il faut qu'on s'éloigne. Non, hors de question qu'on s'en aille sans mon mari. Mia, assieds-toi et attache-toi. Pas avant que tu me dises où est Ethan. Jamais il nous abandonnerait. Allez, dis-moi ce qui se passe. Ouais. Eh ben, il est un peu par là, dans la montagne, un peu partout là. C'était quoi? Je t'ai demandé de t'asseoir. Non. Et moi, j'en peux plus d'entendre la voix de Sylvanas, putain. Il est mort. J'ai essayé. Il est resté pour qu'on puisse s'échapper. Je suis désolé. Bah techniquement, hein. C'était un champignon, il est devenu un champignon atomique. Le BSA n'a pas envoyé de soldats. C'est une arme biologique. Bon sang, à quoi il joue? Vos ordres, capitaine. Rassemble toutes les squads. Direction le QG européen du BSA. C'est quoi le BSA? Si vous avez le truc. Quelqu'un doit payer. Ouais, mais ça veut dire quoi? Bullshit anti-atomique. Bon bah voilà, on a fini le game. Bon maintenant faut acheter les DLC. Ils sont longs les DLC ou pas? Ok, d'accord. Bioterrorisme Security Assessment Alliance. Ah non, faut les acheter. Je t'ai dit, j'ai pas pris le pack gold, parce que le pack gold, il y avait juste des skins en plus, du coup, je m'en battais les couilles. Du coup, allons dans le chopu. Du coup... c'est Winter Expansion, c'est ça? Merde, il y en a deux. C'est lesquels, les DLC? Parce qu'il y a Winter Expansion et... et un autre trauma, je sais pas quoi. J'aime bien la petite histoire qui te montrait au début, là, celle qui est en fond. C'est très Tim Bunty... Eh, Tim Bunty... Ah, j'arriverai pas à le dire. Tim Burtonesque, bordel.
Un des films d'animation que j'aime bien, c'est James et la grosse pêche, mais je le trouve malaisant à regarder. Et ouais, j'irai voir Kissy. Extra Content Shop, Axel Woodcher, on s'en bat les couilles. Winter's Expansion, Resident Evil Village, Street Wolf, Footfit, on s'en bat les couilles. Plus on t'en donne, plus tu en veux, grogna-t-elle. Maintenant, nous réclamons notre dû. En un instant, la fillette fut emprisonnée dans un miroir. Heureusement, ses parents qui n'avaient... Ah, on n'avait pas la suite. ...finirent par arriver. Avec une rage débordante, son père affronta la sorcière tandis que l'amour de sa mère brisa le maléfice. Mais la sorcière était puissante. Le père cria « Sauve notre fille !» Et il est vénère le père, mine de rien. Pendant que la forêt brûlait. Aujourd'hui encore, cette forêt calcinée est un triste rappel du sacrifice du père. On dit même que les enfants qui regardent trop longtemps cette terre carbonisée seront à jamais hantés par le cauchemar de se perdre en cueillant des baies. C'était ce qu'il aille. Alors, Trauma Pack, raviver le passé douloureux d'Ethan, inclut l'arme Samurai Edge, l'extraire d'arme Monsieur Everywhere, une vie spéciale, une salle de sauvegarde. Bah, y a que du cosmétique en vrai, mis à part Winter Expansion. C'est tout ce qu'il y a, quoi. Ouais, bah, c'est ce qu'on disait quand c'est passé, clairement. C'est pas le genre d'histoire que je raconterais à mes enfants. Hein. Enfin, pas à mes enfants au bas âge, tout du moins. On va éviter de... Je sais pas pourquoi, d'un seul coup, il me demande mon PayPal Steam, alors que d'habitude, j'ai encore acheté deux jeux ce matin sans qu'il me le demande. J'ai acheté des jeux pour mon Steam Deck. Faut que j'arrête d'acheter des jeux pour mon Steam Deck, putain. Je me suis fait une catégorie Steam Deck dans mon Steam. Bon, ça fait 6 gigos à DL, il y en a pour 2 minutes, je pense que ça fera la fin du générique. C'est faux pour le coup, parce que les jeux que j'achète sur le Steam Deck, comme les jeux que j'achète sur la Switch, c'est mes jeux où, quand je suis pas sur le PC, genre je suis dans mon plumard, ou quand je vais au chiottes. Du coup, je les fais pas vite, mais je les fais. Bah, autant les hauts DLC, ouais. Autant les DLC. Voilà pour le coup les jeux que j'ai achetés ce matin, c'est. Parce que c'est des jeux de gens promo Bandai. J'ai acheté. J'ai acheté New Gundam Breaker. C'est les jeux Gundam basés sur les Gunpla où t'assembles tes propres trucs. Et j'ai acheté Scarlet Nexus, qui était pas cher. C'est un jeu que je voulais faire il y a un petit moment. Et là, pour le coup, bah, il était pas cher. Il avait l'air assez cool. Et ben, même pas. Bah, il y a l'anniversaire 30 ans, je sais pas quoi, Robotizen, là, sur Steam. Mais il est dans les promos Bandai, mais il est pas en promo, le sale bâtard. Salut, j'ai pas trouvé. C'est... Comment il s'appelle? 30 quelque chose, je sais pas quoi. Super Robot Wars 30, il s'appelle. Mais il a 50 boules, il est pas en promo. Ah bah, dans les trucs à licence, de toute manière... Hein, ouais, t'en as pour... Putain, t'en as pour cher. T'en as pour... Après, t'as les Season Pass, du coup, je sais pas si ça donne tout d'un coup.
Mais s'il faut tout acheter, ouais, ça fait cher, ouais. Hop. Et c'est même pas la Twitch Money, la Smoule. Je sais plus quand c'est la dernière fois que j'ai dépensé la Twitch Money, en vrai. À la vôtre. Ah vas-y, pour le coup, le casque VR, je l'ai pris avec la touche monnaie. Bon, après, je pense que dans le game du DLC, il n'y a aucun jeu qui arrivera à la cheville des Sims. Hein. Il y en avait pour combien de DLC de Sims du dernier? Genre 200 € ou 250 € si tu voulais tout. Les mecs avaient pété un boulon, quoi. Simulator, c'est pire. Mais t'es sérieux? Train Sim World 3, c'est ça? Waouh, waouh. Ah mon dieu. J'attends que le générique finisse et tout. De toute manière, je vais devoir redémarrer le jeu vu que j'ai téléchargé le DLC. Je vais vous montrer la... Non, non, mais Guitar Hero, c'est 0, la Smoule. Guitar Hero, c'est 5 € la musique, tu vois, 3 €. Là, c'est 30 boules en boucle. Il y a 65 DLC à 30 boules. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, elle est où la scène post-générique? Ah, scène post-générique. Quoi? Nick Taras? Tu penses que le garçon arrivera à toucher la lune? Mais personne ne peut toucher la lune, c'est beaucoup trop loin. Mais ah, oh, j'espère qu'on peut revoir les dans les bonus, parce que sinon je vais rager du cul. Hein. Ouais, bah c'est parce que j'ai lancé le DL du DLC, et quand il a trouvé, quand il a fini le DL, il a fait « Ah bah les données c'est plus les bonnes », du coup bah il m'a reboot le jeu. T'as regardé pour le coup. Je vais vous montrer. On parlait de Train Simulator là. Du coup, regardez, tous les DLC à 30 boulas. 13 boulas, 30 boulas. 1479 € de DLC. Ça va. Easy. Ah, faut vraiment être fan, hein, putain. Après, quand tu vois le pognon que les gens peuvent balancer dans le modélisme, etc., et là, ça a l'air d'être vraiment un truc poussé pour les... Pour les fans hardcore de modélisme, tu vois. Bah, Ethan, Mia et Chris. Et sa team. Moi, je pense que les jeux de train en elles-mêmes, diriger le train, je m'en bats les couilles. Par contre, faire les gares, faire les merdiers, ça pourrait m'intéresser, tu vois. Alors, les options de mode de jeu suivants ont été ajoutées. Extension Winters, vue la troisième personne, mercenaire, les ombres de rose. Oh, on peut jouer en mode TPS? What the fuck? T'as genre, tu peux refaire le jeu en TPS. Rigolo. Alors, pitié. Pitié, pitié, pitié. Non, mais vas-y.
Bon, on va aller chercher sur YouTube la scène post-crédit, hein. Oh, fait chier, quoi. Président Evil, village, post-crédit, scène FR. Mais bon. Ouais, mais elle est pas en FR, celle-là, c'est sûr et certain. Hop. Non, parce que ça te met cette merde à chaque fois. C'est l'explication de ce que c'était avant. Et ça, ça doit être la cinématique de merder. Attendez, j'essaie de la trouver en français, parce que là, je l'ai, mais en... Je vais me spoiler ma race. On va la regarder en anglais. Je sens que je vais me spoiler la race, sinon. J'ai déjà vu des miniatures, là, ça pue le spoil. Donc on va la regarder en anglais, hein. Je m'en excuse. Est-ce qu'on peut mettre les sous-titres? Non, c'est du générateurment. Automatiquement, c'est marre. Alors attendez, je vais réguler le son pour pas vous crever les tympans. Touch the moon is too far away. Wait, what if he has a rocket ship? Okay, then he can touch it, but it'd be very, very cold. You were being silly. I don't think the moon feels like a kid. I think it does. But if... De quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Paco? Hop. Ah, tu l'as trouvé en FR. Ah, elle va être cradingue que sa mère, la dernière VOD. Ça va être ignoble, il va falloir que je tronque dans tous les sens. Ça va être chouette. Allez, let's go. C'est pareil. Hop. Attendez, je vais couper le son du jeu, par contre. Arrivera à toucher la lune? Mais personne peut toucher la lune, c'est beaucoup trop loin. Mais imagine qu'il a une fusée. D'accord, alors là oui, peut-être. Mais je suis sûre qu'elle est super froide. Tu dis des bêtises. Je ne pense pas que la lune moi, soit je pense comme une mais tu te fous de ma gueule, Paco, putain. Pas de spoil, mais te regarde pas jusqu'à la fin, sinon tu vas te spoil. Mais putain. Bon. Après 5 vidéos ouvertes, hein. Va te faire enculer. Sale bâtard de Telos. À 3,21, d'accord. Enculé de tes morts. Putain, mais Sphéric Roll, c'est son 2000, quoi. Mais putain. Mais qu'il est con. Mais qui est con, putain. Bon, on va remettre depuis le début, comme ça je couperai là pour la VOD, je vous déteste. Hey, c'est parti. Tu penses que le garçon arrivera à toucher la lune? Mais personne peut toucher la lune, c'est beaucoup trop loin. Mais imagine qu'il a une fusée. D'accord, alors là oui, peut-être. Mais je suis sûre qu'elle est super froide.
Qui dit des bêtises? Je ne pense pas que la moi soit je pense comme que une... si. Non, elle va sur la tombe de son peu-peu. Bon, après, tu peux gratter les croûtes entre tes orteils, c'est un peu ton papa, quoi. Salut, papa. Joyeux anniversaire. Désolée de ne pas être venue la semaine dernière. J'ai pas mal de tests à passer. Tu sais ce que c'est? Évidemment, quand on parle du loup, le devoir m'appelle. Je t'aime. Ouais, j'ai trouvé. À ton avis. Justement, aujourd'hui, on a un problème. On a besoin de toi, Evelyn. Ne m'appelle plus jamais comme ça. Wow, wow, je plaisantais, Rose. Il a l'air d'être un bon con, sa caméra, lui. Une chose dont même Chris n'a aucune idée. On la neutralise ? Laisse tomber. Je peux gérer. C'est qu'une gamine. Espèce de whisker en mousse, va. Faut que t'apprennes à te contrôler. Tu lui ressembles beaucoup, tu sais. Je sais. Je suis Ethan Winters, je me glisse sous vos ongles. Putain. Elle est trop bien, cette pub. T'as dit à 3,21, c'est ça? Ok. Bon. On va pouvoir faire la suite.